On est de retour. Oh merde, on a une vague, j'avais complètement oublié ça. Détail. Oh la vache. C'est ouf comment ça se multiplie ça. J'adore ce truc moi, je trouve ça vraiment sympa. Comme je disais, hein, c'est le seul biome où il y a vraiment quelque chose qui se multiplie pour vous bouffer, quoi. Et je crois que ça peut recouvrir la zone, le biome entier. Danger. An aggressive horde has entered the area. It is less than a minute away. Pardon. Merde, je crois que c'est la vague ça. Ouais. On est toujours en train de réfléchir pour savoir où on va mettre la base. Je crois que même les mods on peut les désassembler, mais bon. J'en fous un peu. On est bon là niveau. Bon, il va falloir que je prenne une décision à un moment ou à un autre. Il va falloir vraiment prendre une décision de toute façon. Là par exemple, déjà on peut mettre un mur. Ça nous en ferait deux sécurisés, comme ça là. Un grand mur. Merde. Peut-être attendre que l'acide s'en aille. Oh, putain, ça fait loin. Moi, je voulais faire une petite base. Et ça me rend fou. Ça me rend fou de pas savoir. L'earthquake est over. It looks like it unearthed an object near its epicenter. Ça aussi c'est des conneries, avant ça le disait une fois que le tremblement de terre était fini, il disait sa ligne là, où ça avait découvert quelque chose et tout ça. Maintenant il le dit alors qu'il y a le tremblement de terre qui est encore en train de trembler quoi. Trop bizarre. Waouh, trop bien. Qu'est-ce que c'est ? Ok, c'est du carbone.
On fait une page géante. On va commencer avec ce que j'ai dit. Déjà. On va commencer avec ce que j'ai dit. Oh mon Dieu! Oh la vache, c'est vraiment... Ah non, mais le mur, j'avais dit que c'était là. Là, on est un peu loin. Genre ça, là. Ouais, voilà. Genre comme ça, là. Voilà. Voilà. C'est pas mal, là. On va y arriver, hein. Voilà. Alors. On va mettre un deuxième. Ashley, I detected a small piece of comet entering the atmosphere close to our position. It is highly probable that it will land close to our base. Ok, je crois que c'est pas mal là comme ça, non? Ça ferait bloquer là. On va le bloquer là. Du coup là on pourrait bloquer ça. Ça en ferait 1, 2, 3, 4. Et après on récupère le reste et on... Et là ça va être le cœur de notre base, en fait, ce centre là. Je pense que c'est le meilleur moyen. It's hit the ground. Let's head there quickly and see what we can learn. Nickel.
pas mal comme ça, non? Hop. En train de me suicider. Je voulais tellement faire une ligne droite avec des gros carrés que voilà. C'est ce qui s'est passé, c'est bien. On va faire ça. On va faire ça. Ah, nickel, ça va, on va y arriver. Très bien. Très bien. Ça, on les met encore une fois, mais bon. On a vu que la plupart du temps, ça explosait très vite. Voilà, nickel. Voilà, nickel. Ça nous fait un mur déjà de fait. Très bien. C'est pas vraiment pour prendre maintenant, mais c'est juste pour mettre quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, il va falloir détruire, je pense, tout ça. Là, on pourrait faire ligne. On va y arriver, on va faire un truc sympathique, parce que moi je veux pas trop, comme j'ai dit, je veux faire une petite base sympa, pas trop grosse, mais efficace quoi. Donc là, on pourrait s'arrêter... Oh la vache, tout ce qu'il y a. Là, on a 3 vagues. Nickel. Donc là, on pourrait... Putain. On pourrait faire un mur et... 1, 2, 3, 4... Alors, attends. Est-ce que on met plus de défense ou pas? Parce qu'on a une vague qui approche. Ouais, de toute façon on est en train de mettre que des murs, donc c'est pas très grave. C'est vrai que j'avais 4 blindages, maintenant, c'est bien comme ça. Genre j'avais dit jusqu'à ce mur là. Hein. Quoique on peut continuer à la limite, ça protégera là. Ça protégera ça. Ouais, on va faire un truc sympa là, je le sens bien là. Ce
très bien de pouvoir les, comme j'ai dit, hein, de faire plusieurs lignes de murs en une fois. Ah putain. Voilà, ça c'est nickel. Très bien. J'ai oublié de mettre du sol. Oui. Sol anti-acide. Voilà, très bien. Nickel. Voilà. Je veux pas tout recouvrir de sol, parce que je sais pas si, encore une fois, on va pouvoir faire des plantes et tout ça. Je me rappelle plus exactement comment ça fonctionne. Ah, évidemment, bande de connards, je vais passer par là. Plutôt. C'est mieux quand même, rayon de l'aube. Faut que je prenne l'habitude de dire ça. Si je fais des petits tirs, c'est bien ou pas? Ouais, c'est des petites explosions, quoi. Oh mon dieu, tout ce qui est dans le couloir, hein. Ah, ça analyse, hein. Après, on peut... Ouais, on n'a pas besoin d'avoir le bouclier, en fait, pour faire le gros tir. Faut un peu le timer, quoi. Faut prendre l'habitude. Mais vous n'avez pas besoin de le charger jusqu'au bouclier. J'avoue que c'est quand même la merde, hein, de le faire comme ça. Mais bon. Puis, je vais être honnête, ce qui est bien dans ce biome, c'est qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui fait mal. Enfin, non, pas qui fait mal, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que pas grand chose qui résiste, surtout. C'est ça, en fait. Les choses crèvent vite. Les choses crèvent plutôt très vite. Donc, pour le moment, c'est pas très compliqué de faire un truc qui dure. Très bien. Encore une comète. Alors... Doucement, la comète, je te fais pas confiance.
Ok, on peut déjà pomper ici. Épée extrême. Research completed. Ok, on peut déjà pomper de l'acide ici. Faire attention à pas crever non plus quand même. Parfait, 3. Attends, il est sur la bonne... Oui, on est bon. Donc déjà là, on pourrait faire des réserves d'acide. Ça pourrait être pas mal. Genre utiliser cet endroit en fait pour l'énergie. Même en tirant sur ça, ça remet de la vie, c'est marrant. C'est pas grave. Genre voilà, là on a des bons trucs. Ça serait notre réserve d'acide. Évidemment. On peut passer par là. Peut-être. Non. Ah, encore le coup du rocher casse-couille, quoi. Encore le coup du rocher casse-couille. Voilà, très bien. Très bien. Voilà, nickel. Genre tout ce qui est... manufacturé, on met des protections. Voilà. Je pense que ça va être marrant, tiens, ça va être marrant de faire une base ici. Voilà, donc là, ça augmente, on est à 182k en tout. On pourra en faire un peu plus. Très bien, maintenant, il nous faudrait donc, des trucs pour faire, pour transformer en gaz. On va voir si on en fait comme ça. Là, c'est parfait, là. Parfait. Oui, du coup, on n'a pas besoin de ça, je crois. Ouais, non, on est bon. 204 vases déjà, rien que pour ici.
Et après, on a tous les autres trucs de base. Je crois que ça va nous prendre quelques épisodes, honnêtement. Parce que là, on a vraiment plein de place et je voudrais vraiment faire un truc cool. Je voudrais vraiment, vraiment faire un truc sympa. Juste à côté, on peut commencer à faire du gaz. Donc, là, on a moins de place, par contre. The fog is gone. Base efficiency is back to normal. Ok, c'est pas mal. Et après, pour le courant, on met les turbines juste là. Dis-moi que... Ok. Fais voir. Comme ça. Donc la truc, faut que je la mette juste là. Ok. Juste là, c'est bon. Si je mets là, le câble, il va... Fais voir. J'aime bien quand, que tout soit aligné, en fait. Donc, du coup... On pourrait faire ça. Du coup, là, il faut refaire le câble. Le tuyau, pardon. Faut pas que ça se touche. Leur truc, là, ça... Ouais, non, c'est bon, on en a bien. Hop, on met celui-là. C'est au centre. Je me rappelle plus, putain. Je vais voir. C'est à droite. Donc là, il va toucher, c'est bon. Ok, nickel. Et ce qu'on veut, ça serait de l'énergie de plante aussi. Peut être pas mal. Voilà. Là, je crois qu'on a un truc qui est joli. Tu vois un peu? Donc ça, ça fonctionne. Là, on a les turbines. Là, c'est pour les trucs avec les feuilles. Là, on a 169K, nice. Ça va assez vite. Le... Oh, ouais, il faut plus de pompes. Mais ça fonctionne bien, ça va vite. De toute façon, on a 204 vases pour 169K de gaz. Et je crois que c'est 100 et 100. Ouais, c'est moins 100 vases et plus 100 gaz. Donc, de toute façon, les trucs vont pas être à court. Les trucs vont pas être à court et sauf s'ils continuent à fonctionner évidemment. Et là on pourrait faire. Ça me fait un peu chier. A hostile group of creatures is heading towards our base. Prepare for an incoming attack. Ça vient d'où? Ça vient de la droite. Et ça, ça serait une plus ou moins une défense en fait aussi contre ça. Par contre, on va avoir du mal à placer des trucs qui soignent. Genre, ouais. Va falloir peut-être enlever des réservoirs pour faire des trous pour qu'on puisse soigner les choses. On verra ça. Mais là, c'est nickel.
Pourquoi c'est en local? Ah, c'est en local parce que on n'a pas le quartier général encore. Lol. J'ai pas encore posé le quartier général. Ça arrive quand les monstres? 40 secondes. Attends, du coup, on va poser le quartier général là-dedans. Oh merde. Ici, ça serait la défense. Hop, nickel. Genre, ouais. Ça. Non, on va les laisser venir un peu. Danger! A hostile swarm is moving in on our base. They are almost upon us. Oui, oui, oui. Vous voyez, là, c'est pas mal ce qu'on vient de faire. Le coup de la base et tout ça. Genre, le truc, il est protégé par la montagne, le quartier général. Donc là, je suis content. Je sais pas laquelle de plaque de blindage est la bonne. Faut que j'en enlève une. Celle-là, c'est celle qui fait de la puissance. Champ de force. Champ de force. Pas de champ de force. Celle-là, c'est la vitesse. Ok, celle-là, on la vire. Outpost construction finished. We should construct rare element mines on the palladium deposits near our base and start mining the resource. Rare element mines consume a lot of power. There's a natural abundance of refinable sludge in this biome. We could easily power our base with gas power plants. Mais tiens, elle parle du gaz. That is a good idea. Do not forget to secure our outposts with advanced defense towers. Setting up a few short-range radar stations would also be advised. They can monitor the growth of acidic yeast colonies. Là par contre, je crois qu'on va commencer à avoir des vagues à 4. Je sais pas pourquoi on a un mur là. Okay, par contre, je voudrais peut-être pas détruire les trucs à l'avant. Enfin, pas les détruire, je sais pas pourquoi je veux pas les détruire ceux-là, c'est vrai qu'ils servent un peu. Ouais, non, ça fait genre on venait attaquer et tout. Par les trucs, moi j'aime bien. Ça me fait rire. Ok, très bien. Ah, voilà, maintenant là, vu que on a une grosse réserve d'énergie, ça y est, on est presque au max. Là, il faut que ça repompe. Et on n'a pas de gaz. T'es sérieux? Ah bah oui, du coup on n'a pas de vase, on n'a plus de gaz quoi. Mais l'énergie est au max, donc ça va. C'est pas vraiment un problème. Ah, il faut plus de pompes. Ça, les pompes, c'est pas vraiment un problème.
behind half of the Palladium that we need to finish constructing the hybrid. Très bien. Particle condenser for the Rift Station. I am detecting increased activity amongst the local fauna. Attends, je vais pas crever non plus. Attacks against our outposts are increasing in strength and numbers. We should build up more advanced defensive towers to protect our base. Acidic yeast is also creeping up from all directions. This area is very rich in resources, so we can establish additional mining bases if we need to expand our economy. Oui. Stop la panique là. Stop la panique. My sensors are indicating an imminent release of acidic gases. The ground is opening up in some places and it's spewing strong acidic clouds. The acid is going to corrode everything within its range. Évidemment. Donc ça, en théorie, ça devrait pas se faire toucher, je pense. Il devrait nous laisser tranquille. C'est la merde. Faudrait que je me mette dedans pour que je prenne un bon bain d'acide. The eruption is over. Voilà. Non, ça descend encore. De toute façon, on a encore plein de pompes à mettre. Oh la vache. Putain, les dégâts, quoi. Débile, ce truc. Oh mon dieu, pas dedans. Alors... Hop. Ok. Nickel. Hop. Et voilà. Tu vois un peu? Ah bah... Ah oui, là ça... Oui. Et là ça pompe vite parce que là il y a quand même... Il y a énormément de pompes là. On a plus de 2000 par seconde. On est à plus de 2000 par seconde. Oui, là, c'est pas de la merde. Voilà. Presque à 10k de machin. C'est bien.
Ça c'est bon, ça monte vite, ça monte vite aussi. Les plantes c'est bon, tout est nickel. Comme j'ai dit, on va sûrement casser des... Oh putain de merde. On va sûrement casser des réserves pour pouvoir mettre des trucs de soins, là, des tourelles de soins. Je vais attendre que ça monte à 10K là. Alors, ce que je veux voir en fait, ce qu'elle me dit après, de quoi faire. The ground is shaking. It looks like an earthquake is coming. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Est-ce qu'on bloque? Je vais m'équiper en combat et je vais voir ce qui nous manque là. On a une partie qu'on voit pas. Ah oui, un truc que je voulais faire aussi, c'est ça. On n'a pas de mur, mais... Enfin, on n'a pas de tourelle, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas ça. Voilà. Alors. Genre, parce que là, on a une... on a deux minerais. On en a un aussi. Donc là, on pourrait peut-être... On va voir. Warning. I'm detecting a massive swarm of creatures heading towards our outpost. We still have some time nope. to prepare. Strengthen our defenses as much as possible. This attack is going to be very strong. Non mais gros. The mining operation must have disturbed a lot of them. We're going to need advanced defense towers to repel these creatures. Also, let's not forget about setting up minefields on the critical paths toward our outposts. Non mais sans déconner là, t'es sérieux? Ouais non mais t'es pas. Non mais attends, on a 5 minutes pour se préparer, ça va être un truc énorme là. Ouais, ça c'est parce que. Fini la mission trop vite. Suffire. On relie ça au QG aussi. Au QG qui est de ce côté. Ok, donc toi t'es en train de me dire qu'ils vont tous venir du sud. Non, là tu me fais chier. Il y a encore 3 minutes. Quoi ça? Tour à laser. Là, tour à plasma.
Bien. Tour électrique. Bon. De toute façon, c'est provisoire, hein. C'est juste pour qu'on survive la vague. Donc là, c'est bloqué. Non, ils peuvent passer par là, mais honnêtement, je pense qu'ils vont s'arrêter au mur. J'ai envie de dire, il vaut prévenir que guérir. On a encore combien de temps? Une minute, ça va. Voilà, ce qui est bien, c'est que niveau puissance, enfin niveau énergie, on est nickel. Hein. On est nickel. Là, on a 206 encore. Le gaz inflammable, ça fait que augmenter. Un peu plus lentement, parce que là, là il y a du gaz, il y a des trucs qui sont activés. Ouais, non, ça, on est très bien aussi. J'ai un peu peur de ça. À la limite, on va bloquer là aussi, juste au cas où. Non, en théorie, ça devrait pas venir de ce côté-là. Enfin, peut-être une des vagues, mais... je suis pas sûr. On va mieux vaut prévenir que guérir. I can sense the ground shaking. I estimate a few thousand creatures running at our base. They are very close. Prepare yourself. Few thousand? We've made all the preparations that we could. Let's go out and meet them. Non? Qu'est-ce que tu racontes? On va se mettre là. Oh. Changement d'équipement. Ok. Merde, il y a des trucs sans électricité. Là c'est bloqué, là ils peuvent pas... De toute façon ils viennent du sud. Donc bon, ils vont peut-être péter ça, ils vont peut-être péter ce mur là aussi. Mais là, ils pourront pas rentrer dans ce périmètre. Ah tiens, putain, il y a des bestioles qui arrivent de ce côté-là, quoi. C'est ouf. Ah, voilà. Ah, ils font chier. Tu vas pas me dire qu'ils vont tous... Vous savez quoi, on va pas sortir. On reconstruira tout.
On va pas sortir, on reconstruira complètement tout, c'est tout. L'autre, il a quand même dit qu'il y avait quelques milliers de bestioles. Ils vont pas venir sur le mur principal. Ça manque peut-être de soins. Le mur, il m'empêche de tirer. Ok, on est bon de ce côté. Ça se calme. J'arrive pas à tirer avec le machin. Faudrait qu'on sorte. Ok, nickel. Là aussi, nickel. Ah, maintenant avec du plasma et tout ça, honnêtement, ça passe mieux. We've defended our outposts against hordes of acid-spitting monsters, giant snails, underground death beetles, and all-devouring yeast. I call it a day. Ashley, we have gathered enough palladium to construct the hyperparticle condenser. We should return to HQ to start the construction process. Ouais, donc là, en fait, t'es en train de me dire qu'on peut partir. C'est pour l'histoire, en fait. Cette outpost va rester ici comme une permanente base d'opérations. Nous pouvons même construire plus de mines et de factories ici pour booster notre économie. Toutes les ressources qui sont produites dans cette location seront automatiquement transférées à notre HQ, as long as the orbital scanner est opérationnel. Long distance rift travel et resource transportation ne sont pas possibles sans elle. Voilà, donc maintenant on peut partir, donc il nous a dit qu'on avait assez de ressources, en fait il nous faut plus de 10 000 je crois, pour faire un objet de l'histoire, parce que l'histoire en fait c'est de créer un portail pour que les humains en fait viennent ici, il faut des ressources et tout ça. Nous, on va rester un peu et on va coloniser ce biome quoi, parce que je l'aime bien, honnêtement c'est fun ce biome il est fun. Peut-être un de mes préférés parce qu'il n'est pas très compliqué à défendre. Mais en même temps, il y a assez de challenge quoi.
C'est pas le biome de maman, quoi. Donc moi je l'aime bien. Donc on va rester là. Puis en plus on peut faire de l'énergie facilement et on peut faire des plantes facilement aussi. Donc on en profite. Petit mine, pas mal. Voilà. Nickel. On va refaire notre mur. Plus on a, comme j'ai dit, on a des nouveaux équipements là, les trucs plasma, laser et tout ça. Donc on en profite. Voilà, nickel. Fais voir un peu. Est-ce qu'ils ont vraiment touché beaucoup de tuyaux? Pas l'impression. Non, ils ont pas touché ce côté-là. Ouais, non, ils attaquent vraiment plus du tout. Hein. Je crois que c'est juste parce que c'est trop proche du bord. Je crois que c'est juste ça. Non, là c'est nickel. Là, c'est... Ouais, je crois que celui-là il était parce qu'il est trop proche du bord. Si je pouvais. Genre, peut-être bouger celui-là sur le côté. Non, il y a lui. En fait, faut qu'ils soient à une certaine distance les uns des autres. Genre, on le met là. Ouais, je vais être obligé de... Ashley, I'm detecting a sudden change in air humidity and wind speed. Non, lui, on est obligé. Je crois qu'on est un peu obligé. Celui-là de gauche. Donc il risque de sauter. De temps en temps. Après... là-bas, il y a là. Là, c'est bon. Ouais, non, 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 c'est très bien. C'est très bien, je suis très contente ça. À la fin de notre épisode. Là aussi c'est nickel. Ça aussi c'est nickel. On a 280... défense. Mettre le plus possible à droite en fait. Allez, finis-toi là, que je vois un peu. Non, 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 c'est bon. Ah là là, tu me rends fou de pas montrer la... Voilà, merci.
Ah, des fois ils volent pas, hein. C'est bizarre. Là, tu me fais chier, t'es juste à côté de la porte. Non, comme ça c'est un peu mieux. Voilà. 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 Et là. Là, on met que de l'anti acide. Parce que là, c'est. C'est où il y a les réserves et tout ça. Même si c'est pas vraiment important. Comme j'ai dit, tant que les machins sont pas reconstruits, en fait, si on détruit la racine, normalement on craint rien. Si on détruit la racine, normalement on craint strictement rien. Donc il n'y a pas de problème là. Voilà, nickel. Il nous faut un peu de courant. On va mettre pile devant, comme ça quand on mettra... Ouais, après tout est bon. Alors là, on va peut-être pas aller charger à fond les murs. Parce qu'on a quand même... ouais, 265... Ouais, mais on va faire une base assez grande, donc on va peut-être pas exagérer sur le nombre de tourelles par mur. On va quand même laisser des murs, on va pas faire des tourelles de murs, hein, murs de tourelles quoi. C'est pas les murs, les tourelles. Ça. My sensors are indicating an imminent release of acidic gases. Okay, de l'acide, pas de problème. Multiple fissures. Elle est en plein sur nous, c'est magnifique. Oh putain, je peux pas construire parce qu'il y a l'acide. Oh là là! T'es sérieux? Je peux pas construire. Alors, fais voir un peu si tout se fait soigner. Ok. On va... Bah du coup, bah ça c'est un bon test en fait. Du coup, on va voir si il y a des trucs qui restent bas en vie. Donc ça voudrait dire qu'il y a des choses qui sont pas couvertes. Niveau soin. Ça, c'est, dans un sens, c'est un très bon test en fait. Bon, par contre, voilà. Ok, ça a l'air de tout se soigner. On va voir après. On va laisser pendant un petit moment, on verra ça. Je suis content de cet endroit, moi j'aime bien cet endroit. Paisible. Il y a du challenge. Voilà, très bien. Et on va mettre... Ah, les tours comme ça. Même si ça c'est des types de tours qu'il faudrait avancer parce que c'est un cercle. Mais bon. Non,
va devoir s'arrêter par contre. Il nous reste 222, ça marche. Alors vas-y, fais voir un peu. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas réparées? S'il y a des choses pas réparées, ça veut dire qu'on couvre pas tout, mais je crois qu'on est nickel. Ouais, on est nickel. Ok. Donc les plantes, ça marche bien. Le gaz, ça augmente. Ça augmente 110.04. 110.4, 110.5, très bien. Ça, c'est toujours au max, donc ça veut dire que ça pompe très vite. Eux, ils ont assez de gaz. On est nickel. On a ça en plus. Donc on est nickel. Donc on va faire plus de murs. On va peut-être couper ça. On va peut-être faire un mur là. Ouais, on passera juste au-dessus de ça, comme ça. Là, ça sera bien, ça sera coupé. Du coup, on aura tout cet emplacement. Avec une réserve, deux réserves de palladium, là. On coupera là. Là, ça nous fait un mur naturel avec de la vase en plus. Donc là, la vase en plus, ça sera plus vers l'intérieur de la base. Donc, nickel. Là encore, je sais pas sûr si on va garder ce mur-là ou on va l'étendre. Ça, on verra. Ça, on verra. Peut-être un peu exagéré. Mais voilà. Allez, on va s'arrêter là. Et on continuera la prochaine fois. Très content de notre endroit. On va sauvegarder. Et voilà. Ciao, ciao!